Hey, salut YouTube, la VOD, je sais pas ce qui se passe, on est sur une vidéo bizarre, j'ai lancé un petit roll 7. Il y a une vidéo que je n'ai pas vue avant. Ok. D'accord. Je sais pas ce qui se passe dans ce jeu, c'est trop bizarre. Bref, on est sur un petit roll 7. Lit 2. Non, je comprends pas. Le menu a changé ou j'ai pété un plomb? Qu'est-ce que ce délire? Alors j'ai l'impression que c'était pas le même jeu la dernière fois. Ok. Tout va bien. Donc épisode 1.5, vu que c'est un follow, évidemment, c'était la découverte que tu as vue. 30 premières secondes de la vidéo lors de la petite apparition de la petite fille. La start. Paru, c'était ma découverte en stream et on va faire ce jeu stream de A à Z. Ça c'est la partie 1.5 avec ce long chargement. Et on était arrêté dans une pièce. Yes, je... J'appelle via une trappe avant d'arriver dans cette pièce. Et je charge indéfiniment. Chargement de Subnautica. Intéressant. Voilà, je pense que quand la bande magnétique aura fini d'être rembobinée en dessous là, ça ira mieux. C'est calme vu que maintenant il n'y a plus de contrôle. Là. Bien dans mon coin. C'est quoi ce chargement de dingue? Il n'y a pas ces trucs là la première fois. Alors, est-ce qu'on peut jouer? Ah oui, c'est bon. Donc on est parti. On était là. 60 images par seconde, ça fait plaisir. Ça, c'était pour sauvegarder. Avec le jeu est super beau, super classe. C'est horriblement mauvais. On va pas jouer énormément de temps. 1. Ok. 2. 3. Parce que je fais ce que... On a une torche. C'est déverrouillé. On dirait un clin d'œil à Pity, ça. Le téléphone. Blague. Bien joué, Ethan. Zoé, c'est ça? Qui sont ces cinglés? Tais-toi et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas, c'est important. Il s'est fait recoudre la main? Charmante. Et le mec, il a des agrafes. Tranquille. Pas bien. J'ai pas de... J'ai trouvé... Cal. Pote, 25e anniversaire de mariage de Jack et Marguerite. Jack et Marguerite. 4 février 2013. En fait, ça se passe proche de nous. Hein. C'est ce que oui, ça. Merde. Non, j'ai utilisé un truc de santé, putain. Pas possible.
Ah, j'ai plus rien pour me soigner. Voyons voir. Et ça ici. Et pièce commémorative. Crochet. Pas de serrure. Ah, on est bloqué. Forcément, c'est un jeu à moitié énigme, rien de tiro. Les anciens, c'était le cas. Un truc intéressant par là qu'on aurait pu faire ça, tu vois. On aime bien le détail, hein. Quoi, ça nous avons. On revient à la trappe que j'ai utilisée pour mes chats. Pour les cuisines, peut-être? De temps? Vous devez m'aider. Du calme, reculez. Bon, vous vivez ici, monsieur? Est-ce que c'est votre maison? Quoi? Moi, non, non! D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas? Je dois sortir d'ici! Bon, calmez-vous. Vous m'écoutez pas! Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer! D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague! Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Oui. Et rien ne me prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien. Je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, hey, attendez. J'ai besoin de votre arme. Vous devez être tombé sur la tête. Écoutez, monsieur l'agent. Shérif adjoint. Ok. Monsieur l'adjoint. Vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Je lui donne. Un simple couteau de poche? Allez, prenez-le. C'est tout ce que vous aurez. Très bien. Maintenant, au garage. C'est un ordre. Ok. Allez, on est parti. Qu'est-ce que je vais faire d'un couteau? Énorme. J'avais fait un truc. Faut qu'il me cassait les cacahuètes. Lui là. Emmerdé. C'est sûr que c'est des trucs à trouver. Pas certain. Entends après quoi. Voilà. Putain, il coule bien. Putain, nickel. On doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire. Oh putain. Je vous écoute. Hé, hey, remontez cette porte. Remontez cette porte. Attendez. Saloperie, je vais tous vous tuer pas. Ah putain, merde. Ah, je suis con. Et moi, je reste là, regardez, tu sais. Ah, ah, je suis dans le garage, je suis dans la merde. Salut. Allez, pour la clé. Où est-ce que tu crois aller comme ça, fiston? On fout, je suis dans ma voiture. Ah ouais, quand même. Et sérieux? Et sérieux? Ok. Merde. C'est vrai qu'on peut... pas esquiver? Non. Bon, attends.
Bon, forcément, une pelle contre un... Okay. Bon. T'es tout seul et tu vas mourir tout seul. Pas assez évident. You are dead. On recommence. On se tape pas un chargement de ouf, c'est bien. Ah non, oh, les gars. Pas un chargement à chaque fois qu'on meurt. Hein. Pas un truc comme ça. Hein. Ok, merci, je crois. Ça, ah, d'accord. Ça, c'est un peu roulou la cinématique. Hey, on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ça, ce que dommage. Vous faites là tout seul au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hey, Jean. Pas bouger. Ah forcément c'est mieux là. Saloperie. Je vais tous les tuer. Alors. Non. Putain mais bouge quoi, c'est bon. Oh, allez, arrête de déconner. Tu fais partie de la famille maintenant. Non. Mais vraiment. Ah j'ai plus de balles. Plus de balles. Putain. Tu mens ? Ouais. Ah, je suis mort. Bon. Ok. Si je mets toutes les balles dans la tête, ça devrait aller. Théoriquement. Hop. Allez, on est bien. Hé, hey, on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi c'est mon bon. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Une caisse là. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Il y a une moto là. Hé hey, remontez cette porte. Remontez cette porte. Attendez. On est mort de vouloir se faire décapiter. Le mec a le flingue ici. Il tombe là. Saloperie. Je vais tous les tuer. Allez, arrête. Allez, là, cours. Non, mais... Les gars. Oh, que non. C'est moi. Là, pour, comme par hasard, il le fait instantanément, tu sais. What? Hein? Quoi? Tu ferais mieux de commencer à courir. Et what? Et what? Mais arrête, tu peux pas courir. Yo, Yasmine Deka. Non, je suis mort. Excuse-moi, je t'ai pas vu. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Incroyable. Pleine mort. Pleine mort. Mort instant. Ouf. Bon. Je suis mort quoi, mais genre trop facilement. Ouais, carrément. Le mec se fait burner sur la gueule quoi. Hey, on doit vite se tirer. Alors, au cas où tu l'as pas fait. Dire ce que vous faites là tout seul au milieu de la nuit. Moi? Attends. Et vous... Non, je te dis, au cas où t'as pas fait l'anti-wall, on est genre au début du jeu. Après une heure de jeu, tu vois. Au cas où tu veux pas de spoil, je te le dis. Hein. Moi je continue ma partie. Alors, moi c'est mon pause. Votre boulot pas, à tout vous, ça. C'est de répondre à mes questions. Je préfère prévenir. Jamais croire si je vous dis. Je vous écoute. Je fais le jeu en entier. Hey, remontez cette porte. Remontez cette porte. Attendez. Ok d'accord. Bon du coup c'est à toi de pas me spoiler. C'est l'inverse. Bon alors l'arme, d'accord, ok.
Les clés, elles étaient où? Tu partais dans le mauvais sens. Non, toi. J'utilise une balle pour péter une caisse, quoi. Je suis teubé. Non. Là, il voudra pas, forcément. La Bernie va faire ses conneries. Coup d'oupelle. T'as vu, on peut la conduire. Énorme. T'es où? Viens. Ah, excellent quoi. Y'a trop de solutions différentes. T'es où? Viens. Le bruit s'est retourné, genre il a pas fait que ça appelle. Mais il est vieux, il a des lunettes. T'es où? Hein? Hein? What? Oh merde! Non, non, mais. Mais putain! Bon, je suis sûr que ça a été scripté, on peut rien faire. Ouais, forcément, on peut rien faire. Finissons-en, toi et moi. Non. Non, non. Allez, je vais t'emmener faire un petit tour. Non. Ok. Tout va bien. Pour l'instant. Donc lui tirer dessus avec le gun ne sert à rien. Bonne nouvelle, j'ai économisé des balles. Ouais, en plus, c'est ça qui est drôle. Il suffisait que j'accélère pas dans le jeu, tu vois. Enfin, en réalité. What? Mais ça prend feu. Ah, ça prend feu comme dans les films. Peut-être pas rester dans le coin. Ah! Oh la vache! Regarde-moi le bordel! Mais mec. Je sais pas s'il faut le toucher ou pas là! C'est pas fini, tu sais. Non mais c'est un truc de dingue! Ah non. Tu sais jamais quand c'est scripté! Bon. Enfin, c'est bon, pour l'instant, évidemment. Je suis pas sûr qu'il reviendra. Même si j'ai pas fait le jeu. Un peu téléphoné. Ok, là on est bien. Charge. Bon, c'est des balles pour rien, mais bon. Plus de chimique, intéressant. Récupérer le couteau. Putain, ma caisse, quoi, bordel. Ça, y a de la physique? Ouf. Une échelle ici. Hop. Le bordel. Ok, d'accord. Ouais. C'est tout. Bah. Non, ils étaient pas tant scriptés, les anciens, tu vois. Je parle vraiment des anciens, le 1, le 2, etc. Mais c'est souvent le cas de ce genre de jeu. Tu sais, il n'y a pas vraiment d'ennemis qui rôdent, en fait. C'est vrai que dans Resident Evil, en fait, il y avait vraiment des ennemis qui rôdaient, genre les Doberman, tout ça, etc. J'entends des bruits chelous. Et il y avait du script. Mais là, non. Apparemment, ça a l'air d'être que du script. C'est vrai que c'est ce qui me semble. Je ne dis rien. Ok, c'est bien, c'est cool, merci. C'est cool. Putain, je me suis jamais fait spoil sur Twitch. C'est plutôt cool, j'ai hors de ça vraiment. C'est plutôt cool. Bon. Oh putain! Regarde la plaie! Tu vas voir quelque chose de magnifique. Putain! C'est n'importe quoi! Mais du coup ça m'intrigue beaucoup, tu vois, j'ai fait rencontre avec la famille et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Hop. Ah. Ah oui, c'est pour sortir. J'ai récupéré ça.
pas. Ah oui, exact. Bien vu. Bien vu, bien vu. Après, personnellement, je sais pas si t'as fait tous les Resident Evil. Ou à quel... Ouais, c'est ça qui est cool. Ça, la plupart des viewers, c'est... Et ça, je suis d'accord, tu vois. Après, j'ai beaucoup de mal à demander, tu sais. Je préfère galérer comme un abruti pendant 30 minutes. Que demander. Comme ça. Et oui, je précise que c'est pas mon genre de jeu, à la base. J'aime bien, hein. Mais je suis très très mauvais dans ce style de jeu. Donc, logiquement, le taureau, c'est pour la... Je vais farfouiller tout ce qui est farfouillé ici, je ne pense pas. J'ai passé un coup de vent tout à l'heure. Hein. Voilà. Bon, c'est super son, c'est un truc de dingue. Hein. Je veux bien que le jeu soit glauque, mais quand même quoi. Oh, je tends des combinaisons. Ok. Ouais, exact. Bon. C'est... Attends. Que ça, évidemment. Évidemment. Bon. Ça a l'air d'être trop trop dingue, les lignes, pour l'instant. Ok. Pas tout ça. Moi, je suis quelqu'un de très très contemplatif. Tu vois, quand je joue, tu vois, j'observe tout. Pas. Ah oh, putain de merde. Ouais. Ouais, je suis bon. Mon père t'a donné du fil à retordre. C'est ton père. Il l'a été. Je suis désolé, mais il est mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Quoi? Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, mais tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Ah! Alors, le principe de Gamiel, c'est pas de prénom, pas d'âge, pas d'informations personnelles, en fait. Ah, ça les saoule, il y en a, ils trouvent ça marrant, il y en a, ils s'en foutent. Et c'est ça. Gamiel est un chat. Voilà. Du coup, il ne peut que te faire un avis par rapport à ma voix ou... dont je parle. Oups. Fusil à pompe. Intéressant. Eh oui, forcément. Eh oui, forcément. Ça me stresse. Ah ouais? Du coup, il faut pas stresser. Il y en a même qui font des enquêtes sur moi, quoi. J'aime tout savoir. Ah bah là, t'es mal tombé, hein. Tu sauras tout sur mes passions et sur Gamayel, mais moi, pour savoir qui se cache derrière, c'est cool. Par contre, là, forcément, on a un fusil à pompe. Ferme le truc. Donc, il va falloir trouver quelque chose, une barre en fer, sûrement, qui nous permet de récupérer le fusil à pompe. Qu'y aurait-il? Et... Putain, 52, déjà! En fait, je me dis, putain, j'ai pas trop envie de jouer à Resident Evil, pas trop bon. En fait, je commence à y jouer, j'ai envie de rester dessus, quoi. La vingtaine? Ok. En fait, c'est très diversifié. Hein. Il y en a, ils pensent que j'en ai 35, d'autres 24, d'autres 8 dans le sud-ouest, d'autres que pas à Lyon. Non mais c'est quoi cette baraque? Ouais, peut-être qu'un jour, je suis en train de réfléchir, enfin montrer. Non, je peux pas vraiment montrer, mais... Réfléchir. Attends, accrocher? Non, mais non, pas ça, accrocher. Accrocher cette souris. Oui, on verra. Oh. Le mec, il veut tout crocheter. Ça, ça fait très anti-wall quand même, les portes comme ça. Fusil, un autre fusil.
Il n'y a pas tellement de trucs. Pire du hall, ce connard d'hippie qu'on a attrapé, il faut dans la zone de traite. Ouais, c'est vrai. Mais ils ont l'air de kiffer. C'est le principal, non? Ah ouais, non mais attends, c'est super grand. Tu connais quoi. Mune. Peut-être que j'ai utilisé mon crochet. Merde, j'ai peur. Exactement. Hein? Et. Faut se regarder là? Hein. Faudrait que je sauvegarde. Non, par là. Par là. Ah, j'ai pas vu ça. Ah non, pas encore une cassette, ça prend 30. Faudrait un canon. Putain, y'a. Duc. Un livre. Tête de chien bleu. À ce rythme-là, mon inventaire va être plein en 10 minutes. Quoi? J'ai beaucoup de mal à nettoyer après la dernière qu'il y a eu. C'est enfin retiré, la maison n'a rien, mais les vieilles. Lucas, donc Lucas c'est plus jeune, je suppose, leur fils. Sur la table. Lucas, ça, je regarderai plus tard. T'as vu où c'est la même que en bas? Hier on peut apprendre? On peut pas, d'accord. Et bon, il y a une cassette ici. Côté. Crochet, c'est une seule fois. Forcément. Bon, malheureusement, je suis bien parti. Mais on s'approche de minuit. Et minuit, la fin du stream. Donc, là je tourne en rond et j'avoue que je vais pas streamer ce soir. Enfin, j'ai été très mal à la tête. Et finalement, je suis d'amour pour Sorient Evil. Un petit épisode 2, enfin 1.5. On va s'arrêter là. On reprendra ça la semaine prochaine. Non, ou demain. Non, 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 demain c'est pas Rien T-Wall. Je stream demain, mais ça sera pas Rien T-Wall. Si tu veux me suivre, bah tu peux me suivre là, sur Twitter, sur Discord, où tu as envie de me retrouver. Tu devrais avoir du Rien T-Wall la semaine prochaine, logiquement. Je fais tout le jeu entièrement en stream. Voilà. Pour ceux qui regardent ça sur YouTube, comme d'habitude, hein. Playlist pour suivre tous les épisodes de ce follow, pareil, Twitter, Discord, caramel, yahoo.fr, et quoi encore. Puis voilà, merci à ceux qui sont passés, merci à ceux qui... C'est à toi de passer. Tard, au stream. Et puis, quoi d'autre? Je devais dire un truc à propos des vidéos sur YouTube, mais bon, je ferai une annonce spéciale. Je... panique. Mia. Mais les fruits sont pourris quoi. Bref. Fin de l'épisode. Salut YouTube. Salut Twitch. Une bonne nuit. À demain. Nous verrons ça entre temps. Plus.